Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un départ de pause. Qu'est-ce que le départ de pause? Il faut simplement réfléchir et à savoir par quel côté vous allez commencer. Il faut choisir le plus esthétique, il faut choisir aussi le côté pratique. Ici, je suis dans une cuisine, hop, vous voyez. Alors je vais regarder si mon mur du fond est parallèle avec mon sel qui est ici. Alors donc, j'ai mis mon mètre là-bas, jusqu'ici, hop hop hop, et j'obtiens 307,5 ici. Je vais aller donc de l'autre côté, là-bas, et j'obtiens aussi 307,5. Avec deux croisillons et un autre aussi là-bas avec deux croisillons. Le but, il est juste d'avoir la distance entre ma règle qui est ici et la plainte qui est là-bas. Je vais donc avoir une distance d'un carreau ici avec un croisillon que j'ai posé là-bas qui fait 3 mm, un carreau ici avec un croisillon qui fait 3 mm. Ensuite, mes carreaux, je vais les enlever, ces carreaux, puisque mon but, il est juste d'avoir la bonne distance et toute la même tout le long. Et je vais commencer avec mon entier qui est ici et ma première coupe qui est là. Pourquoi je mets un croisillon là-bas? Tout simplement pour avoir un petit peu de marge entre le mur qui est là-bas et mon carrelage. Des fois, si vous faites tout de suite carreau contre la plainte qui est là-bas, il peut y avoir des petites imperfections tout le long du mur. Vous vous doutez bien, on est dans de la rénovation. Donc toujours prendre une petite marge. De toute façon, après, c'est caché par les plaintes. Pensez toujours au plus esthétique, au plus pratique aussi. Mais bon, des fois, le plus esthétique ne va pas être le plus pratique. C'est la difficulté des départs pause. Ici, on est dans quelque chose qui est relativement basique, puisque je suis dans l'entrée d'une cuisine qui a été ouverte ici. Donc, je pars forcément avec des antilles ici. Mes coupes vont être là-bas et toutes cachées par les meubles. Et mon départ va être ici avec un entier, puisque on rentre par là-bas. Et oui. Bon, écoutez, là, je crois que je vais continuer mes plaintes. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis salut à tous.